Faudrait arrêter de se taper l'intro à chaque fois, ce serait pas mal. Voilà. Toujours le chapitre 1. 2 heures de jeu. Doucement, les notifications, hein, doucement. Attends de voir s'il va y avoir du nouveau. Enfin, moi je suis au courant puisque j'ai déjà fait le jeu. Mais je me rappelle de ça. Nous en étions à ce moment-là, là-dessus. Quand Naomi se rappelle de tout. Tout lui revient en mémoire. Cet endroit. Ces circonstances. J'ai été ici auparavant. Je sais que j'ai été ici. Après avoir pratiqué le charme de Sachiko à jamais, le rituel, il y a eu un son infernal. Et alors, un gros trou est apparu dans le sol. Et je me suis retrouvé ici, dans l'école. Satoshi et Shishido-sensei, les inspecteurs ne sont pas là, mais Seiko. Il n'y avait aucun signe de Satoshi ou de Mademoiselle Shishido, ou de la délégue de classe, ou de quiconque. Seulement Seiko était proche de moi. Oui, bah, allongé sur le sol. Une hip. Ce que tu appelles hip. Ah oui, bon. Très bien. Hip, c'est un tas, un amas. Oui, donc, Seiko allongé comme un sac à patates sur le sol. Seiko et moi, nous
玄関も窓も全部閉まっていて、外へ出ることができない。Seiko et moi explorions le bâtiment dégradé. Enfin oui, le bâtiment en décomposition autant que nous le pouvions. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Pas une seule fenêtre ou porte ne pouvait être bougée ou même cassée. Et juste quand nos derniers fragments d'espoir avaient commencé à disparaître, nous avons soudainement entendu la petite sœur de Satoshi, Yuka, pleurer de quelque part. Impossible de savoir où. Une fois le résumé de pour nous remettre le contexte. Et j'avais tordu ma cheville salement. Je ne pouvais pas marcher très bien. Alors Seiko est allée seule pour la trouver, pendant que je me reposais dans l'infirmerie. Et tout est devenu noir. Cette ombre, ouais, on va dire cette ombre humanoïde, est apparue et elle a commencé à m'attaquer. J'étais effrayé, tellement effrayé, tellement, tellement effrayé. Mes dents claquaient et mes lèvres quivering. Tremblant, frémissant. Et mes lèvres étaient tremblantes. Mais donc, mes dents et mes lèvres étaient tremblantes. Non, mes dents étaient claquantes. Et mes lèvres tremblantes. Comme si elles agissaient d'elles-mêmes. Pourquoi est-ce que Seiko me laisserait seule comme ça? Je lui ai dit d'aller chercher Yuka, d'aller regarder, oui, d'aller chercher Yuka. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle m'a laissé derrière? Est-ce que je n'allais pas assez rapidement? Was I going to get in a way? Est-ce que j'étais sur son chemin? Naomi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? Quoi? Oh mon Dieu, est-ce que tout se passe bien? Oh, je suis tellement désolée de t'avoir laissée seule toute seule. Juste voir le visage de Seiko. Oui, m'a soulagé de mes frissons. Oui, quand elle est proche, je me sens tellement mieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me diriger vers elle et à pleurer. En pleurant, oui. Enfin, c'est ce que j'aurais dû faire, mais à la place. Me laisser seul. Est-ce que tu as une idée d'à quel point j'étais effrayé? Mais...
suis désolé, Naomi. Allez, et si on trouvait un moyen de partir d'ici, ensemble? Mais quel intérêt? Oublie, laisse tomber. Laisse-moi seul. On sortira jamais d'ici. Peut-être que c'était la présence la présence sécurisante de Seiko qui faisait ça. Mais toute la peur à l'intérieur de moi est soudainement devenue la rage, de la colère. J'étais comme un enfant pourri gâté. Rien de bon ne pourrait sortir de tout ça. Seiko n'avait rien fait de mal, je le savais. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire. Je ne pouvais pas m'empêcher moi-même de dire ce que je dis. Génieusement, non, super. A été super concerné à mon sujet. Et je. I sworn to myself. Sworn. Ouais, c'est bien ça, c'est bien juré. Et je me suis juré de la protéger. Mais tout sens de raison m'abandonnait. C'était tout le sens de raison était mort. Tu réalises que nous allons être portés disparus. Quand tu penses que ma mère va prendre la situation, elle va être s'inquiéter maladivement à mon sujet. Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Donc là, on a les mêmes dialogues que dans le jeu précédent. Mais Naomi, s'il te plaît, ne dis pas de choses comme ça. Tout va bien se passer. Mais putain que non, elle va continuer à me chercher jusqu'au jour où je vais finalement rentrer à la maison. Et elle travaille, tu sais. Elle travaille, tu sais. Toute cette situation, c'est pas bien. Tant que je suis ici, je suis rien à part une nuisance pour elle. Je suis une terrible fille. Et de toute façon, nous allons juste mourir ici. Alors tout le temps qu'elle va passer à me chercher sera du temps perdu. À partir de ce moment-là, mon esprit avait complètement été surpassé par le Darkening. Je n'étais plus moi-même. J'étais en pilote automatique, horrifié par les mots sortant de ma bouche. Non, je sais comment ça va se finir. Tu as tort. Oui, elle se rappelle totalement qu'elle va aller. Qu'elle va voir Seiko se pendre. Qu'elle se rappelle qu'elle va pendre Seiko. Mais est-ce qu'elle se rappelle qu'elle l'a pendue? J'ai un doute. Normalement, elle se rappelle de tout à ce moment-là, donc même de l'avoir pendue. La famille n'est pas comme ça. Tu ne seras pas une nuisance. Tu ne seras pas un fardeau. Et tu n'es pas horrible. Je sais pas exactement comment tu peux dire ça, mais
comment dire, je sais pas exactement comment dire ça, mais quand les gens que nous aimons sont mêlés, on ferait tout pour eux. Et c'était là encore, le déjà vu. Toutes les pièces se mettaient en place. Je savais ce qui allait se produire. Je savais quel destin était en réserve si nous continuions dans cette voie. Mais je suppose que je peux voir d'où ça vient. Ta mère est vraiment une personne gentille. La dernière chose que je voudrais qu'il lui arrive, c'est l'inquiéter. C'est pourquoi nous avons besoin de faire en sorte que ça se produise. Pas vrai, Naomi? Nous devons rentrer à la maison. Oh non, ça c'est horrible. Je ne sais pas comment cela fonctionne pour toi et ta famille, mais les gens normaux ne fonctionnent pas de cette manière. C'est dégueulasse. Non, ça s'est produit. Non, donc elle ne se rappelle pas qu'elle a pendu Seiko, mais elle se rappelle de la mort de Seiko. Seiko va se faire pendre. Elle va mourir. Et maintenant, il faut agir. On sait ce qu'il faut faire. Je dois m'excuser. Pas toi. De tous les gens qui peuvent me parler de cette manière, Naomi, pas toi. Dis-moi que ce n'est pas vraiment ce que tu ressens. La musique n'a pas l'air de planter, c'est bien. Yo Snake. Joyeux Halloween Snake. Et on s'excuse, on sait ce qui va se passer si on ne s'excuse pas. On va changer le destin. Merci. Bon, moi je sais, j'ai un fait spécial. Mon Halloween, je sais avec vous. Jouer un de mes jeux préférés. Si je ne dis pas quoi que ce soit qui puisse la calmer, Seiko va s'enfuir. Et je sais qu'elle n'est pas qu'elle n'a pas la tête sur les... qu'elle n'est pas dans un bon état d'esprit. Et là, on va savoir pourquoi elle n'a pas pu s'excuser dans le jeu d'avant. On va savoir pourquoi. Plus que le Darkening, on va savoir ce qu'il a vraiment empêché. Alors j'ai essayé de prendre sur moi, de toutes mes forces, d'essayer de m'excuser. Mais les mots... Seiko, je... Les mots ne voulaient pas venir. Dès que j'ai essayé de les formuler, quelque chose s'est retrouvé attrapé dans ma... s'est retrouvé bloqué... Oui, m'attraper la gorge. Oui, quelque chose s'est retrouvé coincé dans ma gorge. Et je me suis retrouvé incapable de respirer. And doubled over and fit. Doubled. Qu'est-ce que ça veut dire? À deux doigts ou le double? Elle a bougé de deux pas. Elle était à deux pas de faire quelque chose. Ouais, elle était à deux pas de s'excuser, mais elle pouvait pas du coup. Naomi, et est-ce que tu vas bien?
Je suis désolé, Naomi. Si je t'ennuie, alors je vais partir. Je déteste te quitter, mais si c'est ce que tu veux, je ne vais pas argumenter. On va savoir ce qui s'est passé. Même si on le sait déjà. On sait ce qui s'est passé, on l'a vu à la fin du jeu. Naomi, possédée par le Darkening, elle va courir dans tous les sens, possédée, jusqu'à trouver Seiko et la pendre. Mais on ne sait pas ce qui va se passer si on évite ce destin. Seiko, oui, s'est éloignée. À force, ouais, à force de, dans l'horizon. Son apparence, sa silhouette était en train de devenir de plus en plus petite et de plus en plus sombre jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je savais que j'avais fait un acte atroce, une erreur irréversible. The Sense of Dread. Dread, comme dans Metroid Dread. Crainte, effroi, terreur. La peur. Ce sens de peur que j'avais ressenti il y a peu était revenu de force. Oui, était revenu en pleine forme. Je pouvais sentir de la malveillance à l'intérieur de moi. An outside end. Mais lâche. Lâche. Fouet, coup de fouet. Fouetté flagellé. Oui, une malveillance extérieure m'avait fait mal parler à Seiko. Fouetté Seiko. Flagellé Seiko. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans ma bouche. Je n'avais aucune idée de ce que c'est. Mais il y avait définitivement quelque chose ici. J'ai mis un doigt. J'ai enfoncé et j'ai essayé de chercher. Ouais, j'ai essayé de creuser. Naomi avait des cheveux dans sa gorge qui l'empêchaient de s'excuser. En plus de Darkening, pour l'empêcher de s'excuser, elle avait des cheveux bloqués dans la gorge, formant une espèce de caillou. Mes doigts ont trouvé quelque chose et l'ont tiré hors de ma gorge. C'était un large tas de cheveux longs noirs. J'ai continué à sortir des cheveux. Je ne pouvais pas croire combien il y en avait. Oui, donc les cheveux formaient une corde jusque dans mon estomac, à travers mon œsophage et dans mes mains. Et je pouvais sentir, enfin, et même avec ça, je pouvais sentir qu'il y en avait encore à retirer. Le mouvement n'était pas naturel et me donnait et créait une sensation répulsive. Donc en gros, je lui donnais envie de vomir le long de sa bouche, de ses tonsils. Papilles, tonsils. J'avais l'impression que j'allais vomir à nouveau. Mais bon, putain, d'où vient tout ce tas de cheveux? Est-ce que c'était bloqué dans ma gorge? Oui, c'était bloqué dans ta gorge.
おぼろげだった未来の記憶は確信に変わっていた。何か理由があって私は同じ現実を繰り返しているんだ。J'étais certaine. Non, it was only. Non, c'était juste une idée. Une vague idée auparavant. Mais maintenant, j'en étais certaine. J'étais en train de me rappeler des événements du futur. Je ne savais pas comment ni pourquoi. Mais j'étais en train de répéter le temps. Dans une boucle. Est-ce que je ne suis pas autorisé à m'excuser? 何かの力が働いてる。何かがまたこの世界でも聖子を殺そうとしている。Je pouvais sentir une sombre volonté me guider. Quelque chose ou quelqu'un voulait que Seiko soit tué dans cette ligne de temps aussi. ダメだよ。そんなことさせない。Ligne temporelle. Mais je n'allais pas laisser ça se produire. On va sauver Seiko cette fois.絶対させないから。Pas sans combattre. Elle soit contente, Snake. とにかく、on va essayer de sauver Seiko. On sait que ça va pas fonctionner, mais on va quand même essayer. 一人にしちゃダメ。Je devais aller après Seiko. Je devais m'excuser. Je ne pouvais pas la laisser seule comme ça. 私は、セイコの走っていった方へ廊下を駆け出した。でも、j'ai couru aussi vite que je pouvais dans la direction de...où Seiko s'était perdu, avait disparu. Mais alors... Mais alors l'école tremblait. Un tremblement de terre a commencé à faire trembler le bâtiment. Il était violent. Je pouvais même pas tenir debout. Alors je me suis accroupi sur le sol, attendant qu'il passe.Tout bougeait. Et alors, tout autour de moi, il y avait des sons d'objets en train de craquer, de se casser. La glace se brisait. C'est longtemps. Ou donc le plafond me tombait dessus.Les néons du plafond me tombaient dessus, tout ce qui est au plafond me tombait dessus. Tiles, qu'est-ce que c'est que tiles? Les carreaux du plafond. Le carrelage du plafond. Ouais, donc les planches au plafond me tombaient dessus, c'était le plus effrayant de ma vie. J'étais tellement effrayé, très 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 effrayé.J'étais certaine que j'allais mourir. Peut-être qu'un gros morceau du plafond allait tomber sur moi, ou que le sol s'ouvrirait sous mes pieds et m'avalerait entière. J'étais en train de me demander, je continuais à me demander.Comment tout ceci allait finir? Est-ce que j'allais être écrasé? À quel point je serais blessé? Combien de temps ça prendrait-il avant que je ne meure? Donc tout ce genre de.Et de pires scénarios nager dans ma tête pendant que mon corps était juste immobile sur le sol. Je ne me suis jamais senti tant en détresse auparavant. Et je m'en foutais en fait. JusteTous les sorties possibles.
très vite que ça se fasse. Mais il n'y avait pas de sortie pour moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre en position fœtale, enfin de balle, une bême, ou en position fœtale et prier. Long tremblement de terre, hein. Très long. Je me demande combien de temps est passé. Ça pouvait être un moment, quelques minutes ou même quelques heures, pour ce que j'en savais. Mais finalement, ça s'est terminé, et les sombres couloirs étaient silencieux une fois de plus. J'ai graduellement senti mon corps se détendre, me relever, sortant de ma position fœtale du sol. Des moutons de poussière, des chips de bois, et des morceaux de bois, des échardes tombant de mes cheveux. Et quelques-uns des débris les plus fins étaient tombés à l'intérieur de mes vêtements et se déplaçaient comme du sable à chacun de mes mouvements. Ah, ce n'était pas plaisant. Je me suis secoué du mieux que j'ai pu. Et je me suis relevé doucement. Secouant ma jupe en vain. Pour nettoyer et envoyer valser les excédents de poussière et de terre. Les particules dans l'air étaient comme bellowing, gonflées, qui s'échappent. Donc les particules dans les airs étaient comme une fumée blanche qui s'échappait de l'obscurité des couloirs. Ça a pris un moment pour retrouver mes repères. Et quand j'ai finalement réussi, enfin je le pensais, non, j'ai presque souhaité que cela ne fût pas le cas. Donc oui, l'impression devant mon regard a instantanément l'a fait disparaître, dégager l'espoir que je pouvais avoir. Quoi ? Le tremblement de terre avait complètement créé un trou dans le sol. Ce n'était plus possible de continuer plus bas dans ce couloir. Plus possible de suivre la trace de Seiko. Si j'avais pu courir un petit peu plus de distance du tremblement de terre, juste quelques mètres de plus, j'aurais été morte pour sûr.
avalé dans je ne sais quoi qui traînait là en dessous. Je me suis mis à genoux au bord du trou et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Pour sûr que c'était beaucoup trop sombre à distinguer. Mais si ce que je pensais avoir vu était correct, alors les plafonds dans cette école étaient déraisonnablement trop hauts. Et pour empirer la situation, il semblerait que le sol juste en dessous avait complètement disparu aussi. Donc en gros, c'est un trou sans fond dans lequel on ne voit rien. Je n'ai pas daigné considérer à quel point ce trou pouvait aller en profondeur. Tout ce que je savais, c'est que je n'avais pas intérêt à risquer de tomber dedans. Tremblant de peur, je me suis relevé. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux le contourner? Je dois me dépêcher. Et on va passer dans le système de jeu point and click. Puisque ce jeu n'est plus un RPG, je l'avais dit. C'est un système de point and click. Je devais définitivement me dépêcher. Si je ne le faisais pas, Seiko allait commettre un suicide. Il y avait toujours du temps. J'étais déterminé à ne pas laisser ça se produire. Quoi que je dois faire, j'allais la sauver. J'allais changer son horrible destin. Et voilà, le mode point and click. Visiblement, il n'y a rien. Ah, c'est L2 pour la map. Voilà, et là, je peux choisir où je veux aller. Sur la map. Et si je me rappelle bien, pour trouver Seiko, il faut se faire envahir par le Darkening pour reproduire la simulation, enfin, pour reproduire la situation dans laquelle elle a été pendue. Donc il va falloir fouiller. Il y a un large trou dans le sol, trop grand pour que l'on puisse le sauter. Aller de l'autre côté depuis ici ne sera pas possible. Ce qui ne nous empêche pas de fouiller. Allons à l'infirmerie. Je n'aime pas cet endroit. Voilà. Après 2h39 de jeu, on a fini le prologue, on commence enfin à jouer. L'infirmerie, c'était ici que j'avais été attaqué. Je ne voulais pas rester ici plus longtemps que je ne devais rester. J'avais cette horrible sensation que mon corps allait être overcome by that. Oui, que mon corps allait se faire avoir. Overcome. Je vais vérifier. Overcome. Pour moi, c'est se faire dépasser. Se faire vaincre, défaire, battre. Oui, bah, se faire battre par cette espèce de brume, comme des cheveux. Quelque chose que je n'espérais ne plus jamais expérimenter à nouveau, autant que je vivais, tout le long de ma vie.
Mais il faut quand même fouiller. En considérant tout, c'était surprenamment propre. Il y avait surprenamment peu de poussière sur ces lits. Et il n'y avait rien en dessous. Non, il n'y avait rien. Bon. Dans le cabinet. Il y a une paire de ciseaux sur une des étagères. Les lames du ciseau sont tachées de sang. Oh, si on se rappelle bien, c'était laver nos mains avec du sang. Maintenant, c'est la procédure correcte pour la dissection. En tout premier lieu, vous devez bloquer les mains, enfin bloquer les bras et les jambes. Vous devez être sûr que les bras et les jambes sont fermement punaisés. On va recommencer avec ce néologisme. Faisant ainsi. Enfin, oui, bloquant ainsi tout mouvement du sujet. Ensuite, vous devez faire une incision claire le long de l'estomac et précautionneusement écarter la peau des deux côtés, exposant les entrailles du sujet. Utilisez les punaises pour garder le tout ouvert. C'est une méthode de dissection, attention. Et le reste des pages sont imbibées et effacées, le tout étant complètement illisible. C'est tant bien, Mayu va se faire disséquer après. Oui, bon, désolé le spoil, le jeu a 10 ans. Et je joue comme je veux. Mais il y a une photo ici. Oh! Snake, si tu es toujours là, tu veux du lore? Tu veux du gros lore? Sur l'identité de cette personne? Normalement, son identité, c'est quelque chose que tu apprends à la toute fin du jeu. C'est quelqu'un de très très important, cette personne. S'il n'y a pas de demande de lore, je ne dirai rien. Ouais, le papier était... Ouais, bah, craqué, enfin été abîmé, craqué, abîmé, dans plein d'endroits. Et la photo elle-même était en noir et blanc. Clairement, ce n'était pas une photographie récente. D'ailleurs, c'est étrange parce que cette personne, normalement, elle devrait pas être dans cet état-là. C'était une photo d'un homme, regardant directement la caméra. Il avait une coupe de cheveux formelle, comme pour un mariage ou une interview. Non, une interview de mariage. Je me demande qui c'est. Est-ce que c'était l'homme qui travaillait à ce bureau? Ou un membre de famille, peut-être? Je sais qui c'est. Et je me rappelle plus d'ailleurs qu'on voyait sa photo ici. Normalement, on la voit à toute fin du jeu. Je regarde quelque chose. Vérifier que mon chat était à jour sur la tablette. Bien. On peut pas examiner le miroir, non. Le poêle à bois? Ah oui, c'est un vieux poêle à bois. Il est rempli de cendres. Ce qui fait qu'il ne se rallumera probablement jamais.
pu en avoir ici. Va voir le labo de science, l'endroit qu'il faut juste éviter à tout prix dans le jeu. C'est vrai qu'il y a le corps de Mayu. Pour l'instant, on n'a pas non plus évité la mort de Mayu. Il y avait un tas de sang et d'entrailles sur le mur. Ce sont de mouches. Quelle délice. T'as vraiment l'impression qu'elle tourne autour de toi. T'as envie de lui en mettre une à cette mouche pour l'éclater. Le son qui passe d'une oreille à l'autre dans le casque. Ah, c'est délicieux. Donc il y avait un tas de sang, d'entrailles sur le mur, comme si quelqu'un avait été lancé depuis l'autre côté du couloir, à une vitesse impressionnante, et avait éclaté à l'impact. L'odeur était positivement dégueulasse. Seiko l'avait commenté plus tôt. Mais maintenant, c'était réel, ça me touchait réellement. Chaque respiration que je prenais me donnait envie de vomir. Un gag réflexe, ouais. Ça me provoquait un gargarisme. Voilà. Tout ce que je pouvais faire, c'était de ne pas vomir à nouveau. Parce qu'en plus, il y a toujours ce son de mouche. Stop ce son de mouche, c'est bon. Mais bon, la porte du Science Lab est gelée sur place, comme si c'était juste une décoration sur le mur. Ça ne peut pas sourire. Heureusement, j'ai envie de dire. Là-bas, je peux pas y aller. Je peux pas aller vers les toilettes, normalement, il faut une planche. Comme dans le jeu précédent. Donc pendant que j'errais à travers les couloirs sombres, chaque cheveu de mon corps était dressé. Et j'avais de la chair de poule. De la tête aux pieds. Au cas où, je le précise, pour ceux qui regarderont la rediff, peut-être un jour, point d'exclamation Discord, pour rejoindre le Discord. J'ai l'impression qu'il y avait un uneasiness de la difficulté. Uneasiness de l'inquiétude, du malaise. J'ai l'impression qu'il y avait un brouillard de malaise qui, oui, bah, qui était tout autour de moi à chaque pas que je faisais. Et ce brouillard devenait de plus en plus épais. Et la musique a planté, très bien. Et en extension, je commençais à avoir peur de l'obscurité qui pouvait m'avaler et me faire cesser d'exister. Je pouvais sentir ma santé mentale s'évader. Je ne savais pas encore combien de temps j'allais pouvoir tenir. Et je commençais à perdre patience. Je voulais juste... getting over it. Oui, je voulais juste en finir.
que ça se finisse, que ça se termine. La peur était comme un... comme de la gelée me couvrant entièrement. Donc, autant que je puisse balayer tout ça, fouetter tout ça de ma main, donc balayer la main devant moi, c'est comme si... c'est comme si je l'écartais. Mais ça ne voulait pas partir. Ça se bloquait rapidement. Stuck. Oui, stuck, c'est bloqué. Alkinagara, Seiko no namae o yobu koto de kankaku o shutdown shite. Atashi wa karoujite jiga o tamotte ita you ni omoeru. Je marchais sans but. En appelant Seiko. En faisant ça, je pensais être capable de... oui, de retrouver un petit peu mes sens. Suffisamment pour approximativement maintenir mon pied dans la réalité. Seiko, doko, enji shite. Atashi douka shite ta. Ayamaritai no. Mais Seiko, où es-tu? S'il te plaît, réponds-moi. J'avais pas la pensée claire. Je veux m'excuser. Ah, c'est là. Juste devant, j'aurais juré voir une lumière. Voir un éclat lumineux de quelque chose. J'ai regardé pendant un moment. C'était comme une toile de cordes. Répartis tout le long du couloir. Les cordes de piano. Je me suis doucement reculé jusqu'à ce que je puisse confirmer que c'était bien là. Dans les faits, c'était des cordes de piano. Gentiment ou doucement, j'ai mis un doigt et j'ai touché la plus proche. Et elle s'est saignée. Parce que ce sont des cordes aiguisées. J'ai dégagé ma main, j'ai écarté ma main en la regardant. Il y avait maintenant une très fine coupure au sommet de mon doigt. Et de petites gouttes de sang commençaient à se former. Ces petites gouttes de sang continuaient de grossir et de grossir pendant que je regardais. Éventuellement, pour en former une autre. Oui, une autre et une autre. Oui, ça goutte jusqu'à former du sang. Une flaque de sang. Une grosse goutte de sang. Et cette goutte de sang est devenue très, très, beaucoup plus lourde que son point d'accroche. Et elle a commencé à glisser, couler le long de ma main jusqu'à mon poignet. Des cordes de piano? Non, c'est un peu différent. Je ne pouvais pas croire que ça m'avait coupé si profondément, avec juste un petit effleurement. Est-ce que ça a été aiguisé? Ça a été aiguisé.
Stung. Dard, piqûre. Et ça piquait vraiment. Je n'avais pas remarqué ces cordes qui étaient accrochées le long du couloir pendant que j'avançais, et je devais avancer. Et si j'avais avancé, j'ai peur de penser ce qui aurait pu se produire. La mort, mais pas venant des esprits malveillants, mais juste un vieux piège fumeux. Mais qui a pu faire ça ? Il y avait effectivement un esprit, enfin, quelqu'un de rusé, de malicieux derrière ça, un petit malin. Il en avait déjà cherché ce mot. C'était la malade néfaste. Un sens mauvais dans l'air. Et j'ai commencé à trembler. Est-ce qu'il y avait quelqu'un en train de me regarder ? En ce moment même ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un en train d'attendre que je tombe dans ce piège et que je meure pour qu'il puisse en rire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et c'était comme un appel inconscient. Je ne pouvais pas me contrôler. J'étais effrayé. Et quiconque ait fait ça était sans cœur. Je ne pouvais pas le laisser partir. Mais arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous me faites peur. Ne faites pas des choses aussi horribles aux gens. Baby, qu'est-ce que c'est, baby? Voler troupeau. Une volée d'émotions négatives ont commencé à nager dans ma tête, ont commencé à me passer par la tête. Et soudainement, elle disait que j'étais en train de pleurer. Et je savais que ce couloir, avec cette toile de cordes de piano aiguisées comme des lames de rasoir, était effectivement impassable, du moins pour le moment. J'avais besoin de trouver un moyen de couper ces cordes, ou un moyen de désarmer le piège à n'importe quel moment. J'ai décidé de repartir en arrière par le chemin que j'avais emprunté, et de chercher dans le reste de l'école des réponses. Donc il faut trouver un moyen de désarmer le piège. Et ça, on le verra.
Demain. Ça fait 1 heure. J'ai combien de Darkening? 19. Demain, on commencera bel et bien l'exploration d'Heavenly Host à la recherche d'un moyen de désarmer le piège. Sur ce, eh bien, bonne nuit. Joyeuse fête d'Halloween. Et à demain. Oh. À demain pour Tales of Arise.